Et salut à tous et à toutes les amis, c'est DKC Gaming 501, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Alors, tout en ajustant le son des musiques qui va jouer. C'est bon, vous l'entendez? Nous allons simplement faire le défi de la voleuse. Le mec trop en retard, quoi. Le défi de sort de guérison, merde. Alors, on va ouvrir nos petits coffres avant. Oh, 10 heures de gobelins, wow. Bon, 10 esprits de feu. Et le coffre géant. Ok, 1481$. J'ai les épiques. J'avais presque... Putain, non! J'avais tout! J'avais tout! J'avais tout pour avoir la légendaire. Il me fallait juste une carte de plus. C'est pas grave, on teste le défi du tirage du sort des guérisons. Alors, faut qu'on fasse 6 victoires. Oh, après, oh, après 8 victoires, ça me tente. C'est parti. Là, l'électro-sorcier. La Valkyrie, la Tesla, elle sert à rien. L'esprit de glace, perso. La bûche. Qu'est-ce que le mec nous a laissé? Ok, les flèches, les gobelins à lance, les gargouilles. Ok, le mec a le sorcier de glace. D'accord. Ah, il nous a donné la sorcière. Cool. Gobelin à lance, vite! C'est parti! Bon, par contre, notre deck est vraiment, mais vraiment nul à chier. Le mec a été vraiment trop gentil. Esprit de glace! Putain de merde! Non! Fais chier! On va être capable de le torcher. Même avec un deck de merde. Oh là, j'ai fait beaucoup plus de dégâts. Wouh! La Valkyrie. Plus l'esprit de glace. C'est la victoire. Merde. Non, mourez. Oh fuck. Oh, il l'a mal mis. Il l'avait mal mis. Lol. Oh putain. Je suis habitué aux grosses cartes. Merde aussi. Non, non. Ça, j'accepte pas ça. Ça dégage. Coucou. Allez, allez, attaque! Oh, merde, la tornade! Putain, on attaque! On a pas le temps de niaiser, nous! Ok, le mec veut une terminale à boule de feu, d'accord. J'ai compris le mec, mais bon... Le sort des guérisons mal placé. Peut nous terminer à la boule de feu, le mec. Faut faire très attention. Mais en même temps, notre deck est nul à chier. Oh là, on l'a mis beaucoup plus cher. Vite, l'esprit de glace. Gobelin à lance. Oui! L'électro-sorcier! L'art de gargouille! Merde! Bon, bah, on est tombé contre un mec qui sait pas jouer. C'est cool.
Brûlez! Prendre un culte. Mec, le mec joue Tesla, quoi. Électro-sorcier! Putain, il fait chier, le mec. On va gagner! Bam! Mourez! Valkyrie! Bam! Bam! On recommence avec la sorcière et l'électro. Oh oui. D'accord. Le mec abandonne, je pense. Oh ouais. Oh mais la blinde. Non. Putain! Voilà! C'est comme ça qu'on gagne! Putain, la loc qu'on a eue! Voilà! Est-ce que je me suis fait dire, c'est très 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 dur. Alors, on va rester sous nos gardes quand même. La boule de feu, mec, sans aucune exception. La sorcière. Jamais prendre le sort des guérisons. Le mortier. Ah merde, j'ai donné le mortier, j'aurais pas dû, fuck. Ouh! Oh, le mec à gargouille. Le chevaucheur. Oui. Ah merde, un PK. Ouais. Les esprits de feu. Oh, le mortier, fuck. Meurs. Oui! Ah merde! Ça devient très 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 tendu. Même compliqué. Les gobelins lance, ça coûte 2, mais... Est-ce que je vais survivre? Oh, putain. Ouais! Électro-sorcier! Merde, j'ai électrocuté ma... What the fuck? Non, c'est pas juste. Meurs! Meurs! Tape! On va peut-être perdre ce combat, mais on va s'avoir battu en héros, et non en zéro. À l'attaque! Ouais! Bon, premier tour à nous. Bon, là, on détruit sa tour du roi, littéralement. On va mettre l'électro-sorcier avec la... sorcière ainsi que plein d'affaires utiles pour détruire des culs. On est capable de détruire le mortier. Oh putain de merde. Ouais.
porte. Boum! Merde. Oh putain. Vite, gobelin lance. Vite, barbare, mourez. Ouais. Vite. Putain de merde. Bon, le mec, de toute façon, j'étais sûr à 100% que j'étais pour croiser des noobs. Fait qu'on va... oh merde. Bah là. Le prince. Ça se pose même pas comme question. Ok, parfait, je commence avec un deck que j'écris moi-même, d'accord. Les gobelins lancent vite. Ah! Ah, mais pourquoi tout le monde a le sorcier de glace? Ah, mais c'est pas grave, moi j'ai le sorcier tout court. Merde! Oh! Vous voyez ce que je vois? Moi, je le vois très très bien, en tout cas. Ok, comme tu veux, mec. Ok, mais mec, la faute qui sert à rien. Ouais! Bam! Princesse, let's go. Bon, j'ai pas pu arrêter la charge à temps. C'est pas grave. Oh! Mais il va utiliser quelque chose, regardez ça. Le gobelin est à Sarbacane, alors que le chevalier est en train de foncer. C'est la meilleure idée que j'ai vue de ma vie. Mais merci, hein, mec. La princesse est en train de faire le taf. Oh putain. J'ai pu. Oh, il a activé ma tour du roi, le mec. Bon, moi, je mets ça. Merde. Il fera ma tour, c'est pas grave. Voilà. Ok. Ok. Voilà, hein, on peut pas... Bon, c'est pas grave, on a gagné le combat. C'est très épique. Hein? Mais mec, le cimetière à la dernière seconde. Voilà.
deuxième victoire. Ça se trouve, on va ouvrir notre coffre à couronne. Hein. Plus que deux victoires et on est 2500 pièces. La boule de feu, c'est toujours épique. Ah ouais, bon, l'électro-sorcier, si on a de quoi de bon. Le bourreau. Jamais prendre le sort des guérisons, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai donné le bûcheron, mais en même temps, c'était soit ça ou l'électro-sorcier. L'électro-sorcier est capable de stopper le bûcheron. Oh, vous avez vu ce qu'on a? Un zapi, mec. Non. Toi, tu mets juste un affaire, puis... Oh! Merde. On a la cabane de barbare qui peut être intéressante avec les zapis. Ça peut être intéressant avec les zapis, mec. Oh non! Il recommence son attaque, merde. Bon, ben, on a perdu notre tour. Bourreau! Zbe! Oh non! La paire gaffe à faire au monde. Fuck. Oh merde. Non, tu fais rien. Et voilà, la première tour vient de tomber. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que le mec a fait des sorts. On est dans la merde, les mecs. On va perdre ce combat. Oh non, mec, c'est sérieux là? Non! Non? Tu peux le sapi? Merde! Il est mort pour sauver notre peau. Merde! J'ai tué ça sans faire exprès. Oh ouais, mourir. Meurs! T'as pas le droit de faire ça. Oui! On se débrouille, on met le zapi. Notre dernière chance. Il a mis le zap. Fuck. Le zapi n'est pas mort en vain. Cabane de barbare, vite. Fuck, on est dans la vraie merde, là, les mecs. J'aimerais ça dire le contrat, mais bon... Je peux pas, c'est le... réel. Mort. Mort, 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 mort. Ah oh ben là, c'est vrai, on a perdu, adieu. Bon, on a perdu parce que le mec c'est un noob. Bon, finalement, il y a toujours des noobs dans ces trucs. Hein. Qu'est-ce qui est mieux? Perso, esprit de feu, hein. Wow.
Ok, on a la... Oh non, il donne le sort des guérisons, fuck. On commence avec la gang de gobelins, fuck off, man, j'en ai rien à foutre. Bah oui, je suis pas un mec, t'es con. Ah merde. Bien joué. De quoi bien joué, mec? Merde. Je t'ai dit d'attaquer mon... Putain de merde. D'un gang de cons, oui. Ah, quoi, le mortier? Attends, sort de guérison. J'ai besoin. Oh merde, mais sérieux? Mais sérieux là, really nigga, tu veux voir de la vraie puissance? Mais mec, t'es noob. Je t'ai dit non à ça. Bon, on fera l'élimination encore une fois, hein. Ça, c'est vraiment poche. Je sais pas de quel bord qu'il va attaquer. On va attaquer de par le... J'en ai rien à foutre. De toute façon, j'ai la gang de gobelins pour défendre. Oh, oui. Vous êtes capable un peu plus près. Nice. On se rend une d'une Transformer. Bon, d'accord, le golem ultra chien, oui. Non, pas de ça. Merde. Merde, 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 merde. De la vie. Mais putain, qui fait chier avec ses gardes, lui. Mais merde, sérieux. Gang de cons. J'ai perdu encore. Adieu, sort de guérison. Bon, c'est une bonne carte, j'avoue, mais pas tant que ça en même temps. Fait que bon. Mais mec, t'es sérieux là? Waouh, quel beau combat! Bon, bah, what? Mais le golem, tu fais quoi? Ok, non mais c'est tout, à chaque fois que tu fais un combat, le mec il rit de ta gueule si tu perds. Bon bah on a un coffre. Bon d'accord, il était déjà meilleur que la dernière fois. Ok, puis c'est 100 putain de parties. What? Mais c'est ultra cher. C'est abusé. Là, on va faire un vrai combat, mais pas avec le sort de guérison. Et d'un, ce sort-là, je trouve, il est nul. Oui, ça te met de la vie, mais mec, c'est le pire sort qui a jamais existé sur la Terre. Mais il est sérieux, le mec? Et tu mets toute ton armada, mec. Sérieux? Autant que ça. Ralentis, Stitch. Bon, ben, le mec, il va nous torcher. Bah oui, c'est sûr, là, les flèches. Il y a tout pour déplaire, le mec. Il y a tout pour déplaire, le mec. On a perdu. Assuré, même. Bon, d'accord, le mec, il a vraiment un deck qui coûte pas cher. J'aime pas les esprits de feu de boss, fuck. Non. Ok, le mec, il nous. Je trouve... Bah, regarde, tu sais quoi, ta gueule. Merci. On va le laisser parler pour l'avoir agi si je gagne. Ok, toi arrête de mettre des cartes de poche. Parce que moi je peux en mettre des bien plus fortes que ça. Really nigga là. Barra, Barian. Quoi?
Bon ben, on a perdu. Mais mec, je suis même pas capable de toucher sa tour. Non mais le mec, sérieux, c'est une tapette ou quoi là? Voilà, je le savais. À 100%. C'est pas grave, le mec. Si je m'engolem, je sais qu'il va mettre une TDE, mais... On pourrait juste tester. Ah non, d'accord, le mec, il... Le mec met toutes ses cartes. Mais barboire des lettres en avant. Est-ce qu'il se fait avoir? Putain d'enculé. Allez, c'est toi le braille. Ok, le mec et le miroir. LOL. Putain, mais soit que le mec stresse. Oui! Prends-toi ça dans ta gueule. Ok, le mec il met ça. Je vais mettre les barbares des lettres en avant comme tantôt. Merde. Bon, toi, tu meurs avec ça. Non. Oh putain, t'attaques même pas la bonne chose. D'ailleurs, c'est moi qui vise. C'est vrai que le mec a plusieurs... D'accord. Ah putain, pourquoi j'ai fait ça? Bon, ok, le mec il me saoule. Ok, le mec veut me terminer à ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon à dire? Y a rien parce qu'il y a eu égalité. C'est ça que ça fait. Quand t'es noob, tu te la fermes. Et voilà. Bon, le mec, qu'est-ce qu'il y a comme sort? Bon, apparemment... Le mec, il a pas trop compris comment ça marchait. Ah ouais, détruit le ballon. T'as rien foutu. Regarde, tant qu'à faire. Mais je suis sûr qu'il y a un autre sur le mec. Voilà, qu'est-ce que je disais? On a les barbares d'élite qui s'en viennent. Mais vraiment, ça va être dur. Un extracteur d'élixir. Bravo, mec. Fuck, j'ai rien pour te sonner à rien. Puis le mec a une boule de feu. Oui! Quoi? Bon, d'accord. Ma tour est perdue à jamais. Mais c'est sûr, le mec... je sais pas qu'est-ce qu'il fout de sa vie, mais bon... J'ai envie de dire pourquoi pas. Je vais mettre les barbares d'élite. Bon, d'accord, le molosse de là pour bien m'achever. Moi, je mets la TDE en plein milieu parce que j'ai... aucune foutre forme de respect. Bam! Détruisez-le et mettez-le en pièces. Non.
Ah oui, t'es capable le golem, t'es capable. Je viens t'aider. Oui, on est capable. Adieu ta tour. Adieu ma tour. Le mec n'a aucune foutre forme de respect, c'est drôle. Ouf. Le ballon, hein. Oh non, molosse. Oh non. Non. Non, pas le droit. T'as rien compris de ce qui se passe. Ok, sa tour, elle a mal. Sa tour, elle a mal, on peut gagner. Oui. Allez, on a gagné. Un coffre en argent. Bon, je l'imaginais un peu avec le coffre géant de tantôt, mais bon. Il manque juste un combat. Level 9. On peut peut-être gagner. Avant, on va envoyer l'Ordre de Gargouille en éclaireur. Est-ce que le mec perd son temps? D'accord, le mec, il a peut-être pas de sort. Mais par contre, il aime ça. Mais what the fuck, c'est ridicule. J'en ai eu une barbare d'élite. Drette, là. Non. Oui. Mec, si tu sais pas te défendre, défends juste pas. Voilà. J'offre aucune forme de pitié. C'était ultra violent ce que j'ai fait en plus. Allez, le golem. Qui va sauver des vies, sûrement. À moins que le mec ait décidé de rage quit. Ben, rage quit, mais je veux dire qu'il bouge plus, qu'il fait plus rien. Ouais, allez, on part une grosse attaque. Bon, je pense que c'est ça. Je pense que le mec veut juste. D'accord. Bon, ben d'accord. Le mec me laisse gagner, quoi. Merci. Voilà. Bon. Une chance de fait. Alors. Comment ça se passe maintenant? On a un beau coffre à couronne. 2806 trophées. Je suis combienième dans mes amis, là? Je suis troisième. J'ai dépassé un de mes amis qui a... qui est descendu. Ouh. Je suis troisième dans mes amis. Ouf. Ouais, quand même. Et je suis cinquième du clan. Bon, on ouvre le coffre et on va se laisser là-dessus. Que de la merde, bon. Super. Voilà, ici s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker ou à disliker et me dire pourquoi vous dislikez, ça m'aiderait beaucoup à ne pas refaire l'erreur et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Dans ce cas-là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde et à bientôt.